Alléluia. We're going to start our meeting, and there's people still sitting in. The sister is going fast late when the preaching starts. We're going one way with me because we have the right time. It is because we don't have access to our hall that we are gathered here, but it's also an opportunity for us to have a fellowship. As it is mentioned in the Bible, that some fellowship happened in the houses, in the homes. The aim for this is to draw us nearer to the Lord and among each other. As we can see in the Acts of Apostles, the fellowshipping made brothers love each other more and be more united and share everything. Amen. That's the aim for us, to just think about whether we're making progress or not. Amen. So we start with a song and then we will pray.
En ce moment de festivité, many people are distracted. Plusieurs personnes sont distraites. Amen. Amen. I was happy when I saw that my sister posted Brother Branham's testimony. J'étais content de voir que la sœur a posté le témoignage de Frère Branham. Brother Frank, actually. Le frère Frank, actuellement. Because our mind must be set on the Word of God. We should not be sad because we don't have money or means of partying and organizing, giving presents. I mean, this home, children did not receive any Christmas presents. They are here, they are in Noël. Because this tradition is pagan. Parce que cette tradition, c'est une tradition de païen. We meant to bless each other all through the year. Nous sommes censés nous bénir pendant toute l'année. And we don't want to copy from the world. Mais nous ne voulons pas copier du monde. Be in the same spirit. Avoir le même esprit. But we should be more focused. On devrait être plus concentré. The return of our dear Lord. I've been watching a few postings from unbelievers. J'ai vu quelques histoires que vidéos, des choses comme ça que le païen le non-croyant ont envoyé. Everyone seemed to agree that some important events are taking place. Tout le monde se sont mis d'accord pour dire que certains événements se passent. Showing that the end of this world qui montre la fin de ce monde and in the near future, very near future. Et dans le futur prochain, très futur prochain. And that's confirmed the word of God. Ça confirme la parole de Dieu. I've been watching. Je regardais how we are spied on.
whether it's through technology. Quand nous sommes inspirés peut-être à travers la technologie. Everything. Chose. Whether it's YouTube, Facebook. Ça soit dans le YouTube, dans le Facebook. These are tools that the world is using. Sont des outils que le Seigneur utilise. To control and influence our minds. Mm-hmm. Pour contrôler et influencer nos esprits. But what should influence our mind is the word of God. Amen. Esprits, la parole de Dieu. Amen. Just want to introduce for this Psalm 42. Je voudrais seulement introduire par ce psalm 32. From verse 1. À partir du premier verset. Oh, oui. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they continually say to me, where is your God? When I remember these things, I pour out my soul within me. For I used to go with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept a pilgrim feast. Amen. Amen. Psalm 42, verse 1 to 4. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Pourquoi t'abats-tu, mon âme? Et jeûnes-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. 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 Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you again for the reading of your words. Lead us again today. Help us, Lord. Just want this time to be a blessed moment, that we may fellowship with you. Your spirit may lead us into all truth. May we feel your blessings and presence this time, that all we do in here may help us to stand firm on your word, that our faith may be strengthened in Jesus' name. We have humble requests. Amen. 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 I'm just going to give a 5-minute exhortation, then we pray. Then Brother Eric will give us another one. It will be a special service. You're not going to do like the formula we normally use, just for a change. Amen. Amen. We want it to be just a bit different. Et je vois que ça soit un peu différent. Amen. Amen. And I'm gonna use also Proverbs. Et je vais utiliser aussi le proverbe. I'll pass on to French. Et je vais sister will pass into English. Parler en français et la sœur va traduire en anglais. Proverbe 12. Proverbe chapitre 12. Oui, à partir du premier verset. Amen. From first verse. Amen. Amen. Celui qui aime la correction aime la science. Amen. 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 Whoever loves instruction loves knowledge. C'est lui qui hait la réprimande est stupide. But he who hates correction is stupid. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel.
good man obtain favor from the Lord. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. But a man Amen. Of wicked intention, he will condemn. Amen. Amen. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. A man is not established by wickedness. Et la racine des justes ne sera point ébranlée. Amen. The root of the righteous cannot be moved. Amen. 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 Une femme vertueuse est la couronne de son mari. An excellent wife is the crown of her husband. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. But she who causes shame is like rottenness in his bones. Les pensées des justes ne sont qu'équité. The thoughts of the righteous are right. Les desseins des méchants ne sont que fraude. But the counsel of the wicked are deceitful. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. The words of the wicked are lie in wait for blood. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. But the mouth of the upright will deliver them. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. May the Lord be praised. Amen. Amen. Le temps de méditation, the time of meditation, c'est un temps où nous nous examinons aussi. It's a time where Amen. As we are examining ourselves Amen. Also. Amen. Par rapport au retour du Seigneur, in relation to the return of the Lord, la question que nous nous posons, that we are asking ourselves, c'est combien sommes-nous prêts? Amen. How much we are ready? Amen. 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 J'étais juste en train de méditer ce matin. I was just trying to meditate this morning. En voyant beaucoup de bien-aimés. By seeing a lot of beloved. Même certains croyants du message. Even some believers of the message. Ils ont décoré les arbres de Noël dans leur maison. They have done a decoration for Christmas tree in their houses. Ils ont mis ces boules rouges là. They have done put all this decoration with the red. Et les cadeaux autour de ces arbres. And the presents around the tree. Mais si nous parlons des croyants du message, but here we are talking or referring to the believers of the message. Et plus précisément, qui croient au ministère de Matthieu 24, 45. Those who believe in the ministry of Matthew 24:45. Cela m'a ramené au temps de Babylone. This even brought me back to the time of Babylon. Parce qu'à Babylone, because in Babylon, le peuple d'Israël, the people of Israel, avait longtemps vendu leur droit d'aînesse. A long time ago, they have sold their birthright. Et ils n'en avaient aucune conscience. And they did not have conscience of it Amen. At all. Mm. Et un jour, and one day, comme vous connaissez l'histoire, as you know the story, selon Esdras le premier verset, according to Esdras the first one, we are not going to go. Mais, le premier chapitre, but on the first chapter, Dieu réveilla l'esprit du roi Cyrus. God worked in the spirit of the king Cyrus. Et par lui, il donna un message. And from him, he has given a message. Le message, the message ne s'adressait pas à la multitude. Did not address to the multitude. Mais le message but parlait the message à l'âme des croyants. Speaking to the soul of the believer. Il dit à ceux qui se reconnaissent. And says to those who recognize themselves. Du peuple de Dieu. Of being a people of God. Parmi le reste. Among the remains, parce que Dieu a toujours promis, because God always promised, quand tout le monde sera séduit, when everybody will be seduced, quand tout le monde va servir Baal, when everybody will serve Baal, il dit, je me réserve toujours un Amen. Reste. He says, Amen. I am reserving myself some remaining. Même au temps d'Élie, even in the time of Elijah, il a dit à Élie, he has told je me suis réservé 7,000 qui n'ont pas fléchir leurs genoux. Who did not bow the knees to bow? Voilà le danger qui nous guette. Look, this is the danger which is we're confronting. Comment les traditions païennes? How the tradition, pagan tradition? Amen. Amen. Peuvent envoyer notre foi. Can influence our faith. Et nous prenons ces choses à la légère. And we can go. We are taking these things lightly. Mais c'est comme ça. But this is the way. Quand plus tard le peuple d'Israël est so rentré later à Babylone, à Jérusalem, sortant de la captivité, coming out from the captivity, ils ont beaucoup pleuré, they cried a lot, parce qu'ils ont écouté la parole originale. Because they heard the original words. Amen. Amen. Le message
non affecté. The message which was not affected. Amen. Amen. Parce qu'on a pris les rouleaux du livre de Moïse. Because they have taken the roll of the book of Moses. Vous savez, c'est dans Néhémie le chapitre 8. In Nehemiah, chapter 8. Ils ont lu. They have read. La Bible dit the Bible says que le peuple ne faisait que pleurer. The people were just weeping. Parce qu'ils se rendaient compte. Because they come to à quel point leur foi s'était éloignée. Their faith was far away. Amen. Amen. Maintenant, dans ce temps, now, in this time, la Bible décrit les croyants de ce temps, the believers of this moment, selon Timothée, according to Timothy, que les gens vont devenir insensibles, the people will become so, sensible, déloyaux, not being loyal. Amen. Amen. Ils vont juste être froids. They are going to be just cold. Il n'y aura plus de zèle. It's not going to be no more zeal. À cause des problèmes. Because of the problems. À cause des expériences. Because of the experiences. À cause des déceptions. Because of deceptions. À cause des douleurs. Because of pain. Et ça va beaucoup affecter la foi. And that is going to affect your faith a lot. Mais maintenant nous sommes à la fin de l'année. But now we are at the end of the year. Nous devons nous poser une question. We have to ask ourselves a question. Cette année. This year. Nous sommes-nous approchés plus du Seigneur qu'en 2016. Are we drawing ourselves near more to the Lord compared to the year 2016? Ou alors nous sommes au même niveau? Or even we remain the same level? Ou alors nous avons même régressé un peu? Or even we were even decreased? Amen. Sorry. Si le Seigneur venait en if ce the moment, Lord has to come right now, sommes-nous prêts? Are we ready? Amen. Amen. Voilà, c'est cette méditation. Look, this is the meditation que j'avais fait ce matin. That I was doing this morning. J'ai dit que j'allais introduire par cela. And I said to myself that I'm going to introduce it, the sermon from there. Amen. Amen. Et vous allez remarquer une chose. And you're going to notice one thing. L'égoïsme. The selfishness. C'est parmi les symptômes. It is among the symptoms which was listed in the Word of God. Les gens seront égoïstes. The people will become selfish. Chacun cherchera ses propres each intérêts. Person will seek for their own interests. Les gens seront fanfarons. People will be. Ils vont beaucoup parler. They will speak a lot. Ils vont se vanter. They will make themselves proud. Ce sont les symptômes annoncés. These are the symptoms which were announced. Maintenant, pendant ce temps-là, nous devons nous rendre compte we have to, come to que personne ne sera excusé no one will be excused à cause de la multitude. Because of the multitude. Même si tu dois rester le seul croyant even if you have to remain the only believer, qui fait les choses correctement, pour Dieu, fais-le. Amen. Yes. Accepte qu'on te regarde comme le torchon. Oui. Amen. You have to accept that they can look at you like just a doormat. Fais-le. But is he doing it for God? Rappelez-vous ce que la Bible dit. Remember yourself what the Bible said. Lot, le croyant. Amen. Lot, the believer. Le juste. The righteous. A vécu à Sodome et Gomorrhe. Lived in Sodom and Gomorrah. La Bible dit. The Bible declares. Chaque jour. Each, every day, son cœur saignait. His heart Amen. Was bleeding. À cause de ce qu'il voyait. Because of what he was seeing. Il n'avait aucun pouvoir de les arrêter. He did not Amen. Have any power to stop them. Mais il était là au milieu d'eux. But he was there among them. Jusqu'au jour où la délivrance vient de venir de Dieu. Il est resté juste. Alléluia. Mais aujourd'hui, les croyants se découragent. Les croyants se fatiguent. Becoming tired. Les croyants abandonnent la foi. They are abandoning their faith. À cause du comportement de la multitude. Ce ne sera pas une excuse. This is not going to be an excuse. Amen. Amen. Remarquez que Josué pouvait dire could have said, vous choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. You have to choose who you want to serve today. Mais moi but I, et ceux qui sont dans ma maison and those who live in my house, nous servirons le Seigneur. We shall serve the Lord.
Pourquoi? Why? Parce qu'il avait compris. Because he understood. S'il attend la multitude, if he has to wait for the multitude, il ne servira pas Dieu. He will not Amen. Serve the Amen. S'il devait attendre, if he has to wait les autres, for others, il ne servirait pas Dieu. Amen. He will serve the Lord. Amen. Si tu attends l'autre, if you are waiting for the other one, tu abandonneras la foi. Amen. You will abandon your faith. Mais le danger, c'est But quoi? The danger is what? C'est que quand on fait naufrage, that if you sink, on ne s'en rend même pas compte. You're not even making it, being aware of it. Amen. Amen. Ceux qui étaient à Babylone, those who were in Babylon, ont dit ceci. They have said Mais this. Ici à Babylone, but here in Babylon, nous avons des églises. We have churches. Nous avons des prophètes. We have prophets. Qui leur prophétisaient selon ce qu'ils voulaient entendre. Who are prophesizing to them what they wanted Donc, to hear. Tout le monde était dans la joie Everybody à Babylone. Was in joy because in Babylon, ils allaient à l'église. They were going to church. Ils faisaient tout. They are doing everything. Et ils se disaient nous sommes en harmonie but avec they were Dieu. Saying to themselves that they are in harmony with the Lord. Jusqu'au jour Up où until the day, le rouleau du livre fut ouvert. Le peuple s'est rendu compte que leur foi that their faith, pendant les 70 ans the 70 avait été years, tellement éloignée de la coming so far away from the world. Quelle est la condition de l'épouse du Seigneur aujourd'hui? What is the condition of the bride of the Lord Amen. Today? Amen. Nous avons plus d'ennemis dans ce message. We are more enemies in this message. Nous avons plus de jalousie. We are more jealousy. Plus de division. More division. Plus de guerre. More war. Plus de calomnie. Plus de médisance. More gossiping. Toutes ces choses All these things, ne devraient plus être nommées parmi nous. Shouldn't Amen. Be listed among us. Alléluia. Amen. Et à la fin de l'année, year, c'est le meilleur moment it is the better time pour pouvoir méditer sur ces for choses. Us to meditate on these things. Pour prendre des résolutions. For us to take some resolutions. Parce qu'on peut méditer. Because you can meditate. Et puis s'arrêter là. And then stop there. Mais tu peux méditer. But you can meditate. Et puis tu prends des décisions. And you can take decisions. Pour le changement, for the change. Pour être zélé, pour servir Dieu to encore, serve the Lord Amen. Again. Amen. Amen. Et qu'on voit de nouveau la And différence to see the entre ceux qui craignent Dieu those who fear et ceux God qui ne le craignent those who pas, Amen. Fear God. Ceux qui servent Dieu those who serve God et ceux qui ne le servent And those pas. Who do not Amen. Imaginez-vous aujourd'hui Imagine today, s'il y avait une situation, if there were a situation et qu'on appelle aux frères then et we are calling up to the brothers et qu'il n'y a aucune sisters, réaction, and there's no reaction, so aucune réponse, no response. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut produire comme sentiment? What do you think that you will produce as a feeling or Avons-nous sentiment? Un peuple qui sert Dieu a people to serve the Lord. Ou alors tout le monde est devenu religieux. All of us will become religious ones. Amen. Amen. Je vais laisser le frère Eric continuer. I'm going to Comme j'avais pass dit, to Prophet Eric as nous I've allons said. Aller pour ça we are going to do that et puis nous prendrons un temps de quickly, prière. And then we're going to take some time for prayers. Amen. Amen. Donc lui aussi va aller quelques minutes par longue prédication. He's gonna speak for a few minutes. He's not gonna go through a long sermon. La pensée. Amen. 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 Nous allons chanter un petit cantique. We're going to sing. Et puis le frère aura le temps de prier aussi. Amen. We'll have time to think or study. Garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prières à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur. Yeah.
Merci pour ce moment. Thank you for this moment. Nous sommes rassemblés autour de ton Saint-Nom. Nous avons besoin de toi. Les temps sont mauvais, mais tu as dit, ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde. Voici la victoire qui triomphe du monde. Votre foi. Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, de ta parole. Donne-nous la foi pour vaincre à cette heure mauvaise. Au nom de Jésus, ramène nos pensées. Tu as dit, Seigneur, revenez à moi et je reviendrai à vous. Seigneur, ramène-nous. Ramène nos cœurs, nos pensées, pour qu'ils soient attachés à ta parole. Rien que ta parole. Ôte toute mondanité, toute pensée charnelle, toute sémence du diable, afin de nous laisser place. Que pour ta parole. Only for your word. Je possède qui s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente risède pour mourir sur l'alpha. Au sujet de la décision, Seigneur, decision, que nous devons prendre, Seigneur, that we must take, vis-à-vis, Seigneur, de la parole que nous avons reçue. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Thank you, Lord, for all these things. Nous avons encore besoin de toi. We still need you, Lord. Sans toi, nous ne sommes rien. Without you, we are nothing. On ne peut rien faire, Seigneur. We cannot do, Lord. Anything. We are coming back to you. Donne-nous ce cœur de croire toute la parole. Give us this heart to believe our word. Donne-nous cette capacité de persévérer. Give us this capacity to persevere. Surtout en ce moment difficile. And moreover, in this more difficult moment. Pour que, Seigneur, nous soyons prêts. For us, Lord, to be ready. Donne ta grâce. And give your grace. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bless your servant, Lord. Tu as mis les paroles justes dans sa bouche. You have put the righteous word in his mouth. Pour nous ramener à toi, Seigneur. To bring us back to you. Seigneur, laisse que ces paroles prennent vie en nous. Let this word take place in us. Et que nous puissions, par ta grâce, for us, by your grace, marcher. We can walk according. Jusqu'au bon port, Seigneur. Amen. Up to the destination, to the good.
Bénis soit ton Seigneur, Seigneur. Bless your holy name, Lord. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous allons encore partager un peu. We are going to share a little bit. Gardons-nous dans le même esprit. Keep us in the same spirit. Et donne-nous des paroles justes encore. And give us the right word again. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. And the Lord bless you richly. Nous ne serons pas prêts. You are not going to be wrong. Just quelques minutes. Nous allons parler et prier. And then we are going to pray. Et je pense que l'année passée. And I believe that last year. La même période. In the same time. Nous étions ici. Amen. Et nous avons dit les mêmes choses. And we have said the same things. Nous avons parlé du bilan. We spoke about the le bilan que quelqu'un doit faire. We are talking about the resolution that people have taken. Amen. En ce qui concerne la marche avec In relation to the words that about to the walk with the Lord. Et aujourd'hui nous sommes encore réunis ici. And today we gathered again. Nous l'avons déjà entendu. We already heard. L'Esprit nous parle des mêmes choses. The Spirit is talking to us about the same things. Amen. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner. There's something that I want to underline. Nous sommes appelés à frères. We are called to be brothers. Nous sommes frères dans le Seigneur. We are brothers in the Lord. Et le Seigneur Jésus pouvait dire. And the Lord Jesus could have said. Si vous vous aimez les uns les autres. If you love one another. Alors le monde. Then the world. Saura que vous êtes réellement mes disciples. Will know that you are really my disciples. Amen. 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 Donc, pendant ces moments difficiles, meaning that this during this difficult time, c'est le temps d'être unis. It's a time for us to be reunited. C'est le temps de se tenir la main. It's a time for us to hold our hands. Il y a beaucoup de choses que le pasteur a dit, mais un peu de moi. There are a lot of things that the pastor has said, but in a few words only. On a plus d'ennemis, plus we de jalousie, have more enemies, plus de more jealousy, plus de ceci. More of this and that. Ça ne devait pas se trouver parmi les croyants. That shouldn't Amen. Be found among the believers. Les calomnies, slandering and all this stuff. Amen. Amen. Ça n'a pas de sens. It doesn't make any sense at all. C'est le temps que chacun. It's a time for each person. Puisse chercher. Can seek. La vraie expérience avec Amen. Le Seigneur. The genuine Amen. Experience Amen. With the Lord. Parce que le Seigneur réellement revient bientôt. Because Amen. The Lord really is coming very soon. Et nous le disons avec toute la force Now, de notre cœur. We are cœur. Saying Amen. It with all strength coming from our hearts. Amen. Amen. Le Seigneur revient. That the Lord is coming Amen. Very soon. Alors, quelle est ta position? Then what is your position? Nous allons lire deux écritures. We are going to read two scriptures. Ensuite, nous allons exhorter un peu. Then we are going to exhort a little bit. Et nous passerons à la prière. Then we shall go to prayers. Nous allons prendre Genèse 24. We are going to take Genesis 24. Amen. Amen. Et nous commençons à partir du verset 56. And we're going to start from verset 57. 57. Jusqu'au verset 59. Genèse 24. Genèse 24, from verse 57. Non, verset 55. From verse 55. Ouais, jusqu'au verset 59 et 60. Up to 59 and 60. Amen. Amen. Lisons le nom du Seigneur. Read in the name of the Lord. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. But her brother and her mother said, let the young woman stay with us a few days, at least 10, after that she might go. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. And he said to them, do not hinder me. Since the Lord has prospered my way, send me away so that I might go to my master. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. So they said, we will call the young woman and ask her personally. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Then they called Rebecca and said to her,
Will you go with this man? Wow. And she said, I will go. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. So they sent away Rebecca, their sister and her nurse, and Abraham's servant and his men. We can stop here. Amen. Amen. Cette histoire, c'est une histoire que vous connaissez très bien. This story is the story that we know very well. C'est lorsque Abraham voulait avoir une femme. It is when Abraham wanted to have a wife. Choisir une épouse. Choose a wife. Pour Isaac, son fils. Il a pris le plus ancien de tous ses serviteurs. He has taken the very eldest of all his servants. Qui est Eliezer. Who? Il s'appelait Eliezer. His name was Eliezer. Parce qu'il était né dans sa maison. Because he was born in his household. Il l'a envoyé dans sa famille. To his own family. Il a dit, va choisir pour moi. Then he said, go and choose for me. Une femme. A woman. Qui sera l'épouse. Who's going to be the bride. Amen. Amen. Mon fils Isaac. Of my son Isaac. Donc déjà vous avez l'image. Already you have the image. Abraham c'est le type de Dieu. Abraham is the type of God. Isaac c'est le type de Christ. Isaac is the type of Christ. Amen. Amen. Eliezer c'est le type de l'esprit. Eliezer is the type of the spirit. Amen. Qui vient avec le message. Who's coming with the message. Pour choisir l'épouse. To choose the bride. L'épouse pour Christ. For Christ. Ça, c'est seulement l'image. On this va pas is just the image. We are not going to go deep into this. Ce qui nous intéresse, what is interesting us, c'est que quand Eliezer est venu, it is that when Eliezer has come, il a payé la dot, il a tout the fait. Diary, he has done everything. Les parents de Rebecca, the parents of Rebecca voulaient retarder le processus. Wanted to delay the process. Non, que la jeune fille reste encore avec. I know that the young woman can remain with us. Amen. Amen. Et ensuite, tu pourras partir plus tard. And then she could go later on. Mais Eliezer était assez clair. But Eliezer was enough clear. Il a dit, ne retardez pas. Do not delay my journey. Je dois aller vers mon Seigneur. I have to go to my master. Appeler la jeune fille. Call the young woman. Et poser la question à elle. And ask the question to her. Quand on pose la question à Rebecca. So when the question was put to Rebecca. Veux-tu aller avec ce homme? Would you want to go with this man? La réponse était claire. The response was clear. J'irai. I will go. Amen. Amen. C'était la décision. This was the decision. Amen. Amen. Et nous sommes dans le temps de la décision. And we are in the time of decision. Le message a été donné. The message was given. Nous avons reçu le message. We have received the message. Le but du message, the aim of the message, c'est de nous ramener to bring us à Dieu. Amen. C'est nous emmener auprès de notre époux. To bring us back to, to be near our groom. Amen. Amen. Alors, la décision doit être prise. Then the decision must be taken. Qu'est-ce qui doit te retarder? Qu'est-ce qui doit nous retarder encore? What could delay us again? Le retard peut-être. The delay maybe. Les problèmes de ce monde. The problems of this les world. Les soucis de la vie. The cares of this world. Dans ce que le pasteur a dit. And what the pastor said. Il y a quelque chose de capital. There's something which is capital. Ce que nous, en tant que croyants du message. As a believer of the message. Nous voulons aussi nous comporter. We want also to behave. Comme les païens. As the pagans. Tout le monde veut fêter Christmas. Everybody wants to celebrate the Christmas. Nous ne le disons pas. We are not saying. Mais nos actions. Amen. Our Amen. Amen. Oui. Nos actions prouvent. Our action is the evidence. Que nous sommes d'accord avec le monde. We are in agreement with chacun the veut faire quelque chose. Each person acheter ceci, faire cela, aller quelque part parce que c'est Christmas. To spend Christmas. Vous savez, Babylone. You know Babylon. Elle est petite. Is a small. Mais elle a fini par agrandir. She ended up by enlarging herself. Quand tu sors de Babylone, when you come out from Babylon, comme disait le frère Moïse Tumba, as my brother Moses Tumba was saying, va plus loin. Go far, far away. Si tu restes à la porte, if you remain at the door, Babylone va te rattraper. Amen. Babylon will caught up with you. Et Babylone est en train de rattraper beaucoup. Amen. Is trying to catch up with a lot of people. Amen. Sans même t'en vouloir. Amen. Sans ton vouloir, sans ta volonté. Without your will. C'est-à-dire que parfois,
Toi, tu ne veux pas célébrer ça. Mais tes enfants vont te dire, mais maman, c'est quand même Christmas. Nous savons que vous ne fêtez pas ça, mais... Nous sommes les enfants. Vous n'allez pas quand même nous mettre dans ça, quand même. Faites ça quand même pour nous seulement. Enfants ou pas enfants, Jésus, comme le pasteur a dit, moi et ma maison. Nous servirons le Seigneur. Que tu sois enfant ou pas, si tu es né dans la maison où tes parents ont cru le message, Amen. Amen. Tu es tenu de garder la vérité. You have to keep the truth. Parce que c'est une grâce. Because this is a grace. De connaître ces choses. To know these things. Amen. 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 Remarquez les enfants des Juifs. Notice the children of Jews. Ils sont parmi nous. They are among us. Mais ils se comportent comme s'ils étaient en Israël. Exactly. Amen. Like if they were in Israel. Leurs filles portent des langues aux yeux. Ils ont gardé leur tradition. Parce que c'est ce que Dieu veut d'eux. Donc c'est un peuple mis à part. C'est pour ça que. C'est pourquoi ils sont combattus. Nous aussi nous sommes appelés à être mis à part. Et être mis à part. Being set apart veut dire être consacré. That means you have to be consecrated. Être sanctifié. You have to be sanctified. C'est le signe que tu as reçu la parole. These are the signs that you have received the word. Et tu essaies de faire tout selon la parole. And then you're trying to do everything according to the word. Quelqu'un qui n'a pas la révélation. Somebody who hasn't got the revelation. N'a pas la lumière. Don't have the light. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la révélation. But the one who has the revelation. A la lumière. Has the light. Et la personne sait là où elle va. Vous avez la révélation. Christmas, ce n'est pas pour nous. Amen. C'est une fête paganiste. Il y a un an, nous avons dit ça dans la même, dans le même salon ici. Amen. Et aujourd'hui, nous disons les mêmes choses. Le fait même d'arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est une grâce. This day present is a grace. Alors le temps est à la décision. Time is at the decision. Comme Rebecca, as Rebecca, elle était choisie. She was chosen. Elle a accepté. She accepted d'être l'épouse de quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. Of somebody she never seen. Mais elle a cru. But she elle a cru à cet homme sans l'avoir vu. She believed it does not move or see him. Amen. Amen. Quand on a voulu la retarder, when they wanted to delay her, elle a dit non. Elle a dit poser la question à la fille. C'est pas à vous de décider à sa place. Poser la question à la fille. Élisa, c'est le type de l'esprit. L'esprit aujourd'hui crie. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors c'est à toi de prendre la décision. Amen. Préparez ta lampe. Est parti. Amen. C'est pas le temps de demander la de l'huile aux autres. C'est la distraction. Donc même Christmas là, c'est une distraction. Amen. Pendant qu'on doit se concentrer aux choses qui concernent notre salut. Amen. Concerning her salvation, vous voyez les couples, les enfants font l'agitation. Donc tout ce qu'on devait acheter pendant les autres jours, là, on n'a pas pu acheter ça. Donc c'est maintenant là, à Christmas, qu'on commence à mettre la pression aux parents, aux femmes, aux maris. Putting the husband under pressure. Amen. Amen. C'est quand même Christmas. Il faut faire ceci. On sait qu'on ne. Bon, nous savons que. On ne célèbre pas ça. Mais quand même pour les enfants. Quand même pour les enfants, quoi? Vous voyez? Ça veut dire que. Vous-même, vous n'êtes pas clair avec vous. Non, amen. Parce que si je ne crois pas quelque Because chose, pourquoi je dois vouloir faire ça pour mes enfants? Les cadeaux, c'est tous les jours. Il n'y a pas un temps pour prendre les cadeaux.
gift. Le cadeau, c'est tous les jours. The gift, you can give them at any time. Maintenant, si vous voulez faire comme à la manière du monde, si on peut faire comme à la manière du monde, nous devons regarder bien notre foi. Amen. Nous disons que nous croyons, mais la vie même nous montre que nous ne croyons pas comme il faut croire. Amen. Alors, c'est le moment de prendre la décision et la vraie décision. Pourquoi les parents de Rebecca voulaient la retarder? C'était pour lui donner la tradition. Quand tu vas aller là-bas, voilà comment il faut te comporter avec ta famille. Dans notre tradition, c'est comme ça. Eliezer a dit non. J'ai payé le prix. Le reste, ça a elle de décider. It's for her to decide. Et moi, je dois partir. But I have to go. Et je dois l'emmener. And I have to bring her with me. L'épouse est préparée. Bride has been prepared. Par la parole de vérité. By the word of truth. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin d'emmener certaines traditions. We do not need to bring some tradition. Comme on a vu. As we have seen. Les Juifs qui étaient revenus de the Jews la Babylone. Came back from Babylon. Quand on s'est mis à lire la Bible, dans Néhémie, ils ont vu le gap qui existait entre eux et la loi. La Bible dit qu'ils se sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Babylone avec eux déjà. Babylone les avait déjà attrapés. Catch up with them. Mais ils ne se rendaient pas compte que Babylone était là. Aujourd'hui, Babylone, c'est le monde. Today, Babylon is the world. Et Christmas, and Christmas, c'est dans Babylone. Amen. Babylon. Regardez comment le monde. Tout le monde est. The world is at the moment. Tout le monde est dans cette fièvre-là de Christmas. Christmas. Quand tu sors dans la rue, l'anglais te demande, are you going to... Where are you going to do your Christmas? C'est comme ça. C'est à la rue. Donc les gens vous demandent où est-ce que vous allez passer. Vous faites des Noël. You will be here or somewhere else. Est-ce que vous serez ici ou quelque part autre? Je dis non, moi je ne fête pas Christmas. I said no, but I do not celebrate Christmas. La question est, ah comme? Comment tu fais pas ça? Ah, mais pourquoi? Comment ça? Comment est-ce que vous ne pouvez pas célébrer cela? Mais c'est Jesus Christ's birthday. Ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Amen. Et c'est comme ça. Si vous n'êtes pas attentif, l'ennemi va te dire, mais non. Mais quand même pour la culture seulement. Pour le bien-être des enfants. Déplace-les quand même, on met les dans un restaurant. You should take them out, for example, take them to a restaurant or somewhere else. Donc si tu mets tes enfants, if you bring your children or your wife, dans un restaurant, now to go to a restaurant, tu vas appeler ça quoi? You are going to call it what? Tu vas appeler ça que on est sorti quand même pour Christmas. You say that we went out for Christmas. Tu as célébré Christmas? That means you have been celebrating Christmas. Tu l'as célébré. Même si tu n'as pas acheté des cadeaux. Even if you didn't buy gifts. Parce que la pensée qui était dans ton cœur, which was in your heart, sorti. It was un peu to go and have a meal parce que c'est Christmas. Because it is Christmas. Donc tu viens de célébrer Christmas. That means you actually celebrate Christmas. Oui, tu viens de célébrer Christmas. Alors, you have done it. Nous devons faire attention à ça. Then we have to be careful on that. Amen. Amen. Babylone essaie de nous prendre. Babylone is trying to take us. C'est ainsi que frères et sœurs, c'est le temps de la décision. Amen. Le frère a dit un truc très important. Brother has said something very important. Amen. Amen. Nous devons être ramenés à Dieu. We shall be brought back. C'est même ça le but que Dieu envoie. This is even the aim why the Lord has sent the word. Dieu envoie la parole. God is sending the word. Et ses serviteurs. And then his servants. Pour que le peuple soit ramené à lui. And the reason is for the people to go back to him. Amen. Alors là, il est maintenant question que tu examines ton cœur, tes actes aussi, your actions et tes pratiques.
and you're practicing. Parce que si nous lisons dans Acte 2, because if you read in Acte chapter 2, le verset 42 verse 42 nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. They were persevering in the teaching of the apostles. Dans la fraction du pain. In the fraction of bread. Ils faisaient tout selon les Écritures. They were doing everything according to the Scriptures. Maintenant, si nous avons vraiment reçu le message, right now, if we really receive the message, y compris ce que nous faisons, including what we are doing. Amen. Quand on te voit, on doit vraiment voir que c'est un croyant du message. You are a believer of the message. Dans la pratique, dans ta in vie, your practices, dans, tes, dans ce and que tu fais. That you do. Nous allons lire une dernière écriture. We are going to read the last scripture. Nous allons terminer. Then we will finish. Nous sommes dans Matthieu 24. We are in Matthew 24. 11 jusqu'à 13. Amen. Matthew 24, verse 11 to 13. Amen. 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 Matthieu 24, 11 à 13. Matthew 24, 11 to 13. Prenons le verset 10. Take verse 10. Lisons-le jusqu'au verset 14, de 10 à 14. Pour avoir un bon insight of it. Alors, plusieurs succombèrent et ils se trahirent, se haïront les uns les autres. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Ce verset nous ramène à 2 Timothée, chapitre 3. This verse is taking us back to 2 Timothy, verse 3. 2 Timothée, chapitre 3. Chapter 3. On nous parle de les gens seront fanfarons, orgueilleux. You are telling us that people become so proud of themselves. Amen. Amen. Le Seigneur l'a dit. The Lord has parce que, pourquoi? Le verset 11 dit, why? Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Then many false prophets will rise up and deceive many. Et c'est le moment que nous vivons. And this is the moment that we are living. Il y a beaucoup de fausses doctrines. A lot of false doctrines. Il y a beaucoup d'interprétations. A lot of interpretations. Même Christmas, c'est une grande interprétation. Even Christmas is the greatest interpretation. Dire que c'est la naissance de Jésus, alors que ce n'est pas la naissance de Jésus. Saying that this is the birth of Jesus Christ, then it, well, it's not. Et si tu crois ça, and if you believe c'est la mort. Death. Mais même si tu ne crois pas ça, even if you don't believe that, mais par ricochet tu célèbres ça. By you celebrating it anyway. En mettant l'arbre comme on a vu avec le pasteur, on met l'arbre. Decorating your house with the Christmas tree inside your house. Alors tout ça, ça montre que then all this is showing that nous sommes dans le faux. We are in the fake and the false world. Alors que nous avons reçu le message. And then the problem is we have received the message. Donc celui qui a reçu la parole parlée, the one who received the word spoken word, qui est une semence originale, which is original seed, aujourd'hui, today, ne doit pas se trouver dans ça. Cannot find themselves in these things. Trouver des tris, l'arbre de Noël à la maison. And find your Christmas tree in the house. Amen. Amen. Et commencer même à célébrer ça and avec les enfants. And starting even celebrating it with the children. Ce n'est pas intéressant. This is not interesting. Amen. Amen. L'Écriture dit maintenant au verset 12. The Scripture said now in verse 12. La raison pour laquelle toutes ces choses arrivent. The reason why all these things is coming to pass. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Amen. Amen. La charité du plus grand nombre se refroidira. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. La raison pour laquelle tout ça arrive, the reason why all these things happening, c'est que l'iniquité de Babylone continue à envahir, continue à avancer. Iniquity of Babylon is carrying on, advancing and invading. Amen. Amen. Alors, ça fait que l'amour du peuple de Dieu se refroidit. And the result of it that making that the love of God will starting to become cold. Amen. Amen. Au lieu qu'il y ait l'amour, instead of the love to exist, c'est la jalousie. And now it's the jealousy. C'est les temples de la haine. It's the hatred. Amen. Amen. C'est les gossiping. C'est les toutes ces choses là parmi les enfants de Dieu. All these things are happening among the children of God. Alors que ça ne peut pas être comme ça. It shouldn't be like that. C'est à cause de l'iniquité. It is because of the iniquity. À cause du péché. Because of the sin. Mais c'est le moment aussi it is de prendre la décision. For us to take a decision. Nous sommes un peuple mis à part. We are a people set apart. Nous devons prendre une décision. We should take. We must take a decision. Le verset 13 dit. Verse 13 saying. Comme on a déjà entendu avec le pasteur. As I heard it with the pastor. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. He who endures to the end shall be saved. Ça c'est
l'élément le plus important. This is the element, the most important element for today. Comme le pasteur disait, malgré les difficultés. Despite all difficulties. Amen. Malgré les problèmes qui peuvent arriver. Despite all the problems that might arise. Toi, Dieu a parlé à ton cœur. You, God has spoken to your heart. Amen. Amen. Tu ne dois pas te comporter comme you ça. You should not behave in that way. Ce n'est pas une excuse. This is not an excuse. Amen. Amen. Que parce que les gens étaient comme ça. It's because people were behaving in this way. Donc moi aussi, je suis devenu froid. Non, 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 non. Ton zèle ne va pas dans l'autre là. Tomber. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Donc la persévérance aujourd'hui doit être au centre de la vie des croyants. Si nous n'avons pas cette capacité de persévérer, demandons cela à Dieu. Request that from the Lord. Parce que la parole de Dieu the word of God ne retourne pas à Dieu sans effet. Do not come back to God without making. Dis Seigneur, j'ai cru la parole. I'm saying that Lord, I believe the word. Il me manque la capacité. Now I am lacking capacity. Je trouve que mon zèle commence à succomber à cause de ce que je vois. Of what I am à cause de ce que mes yeux voient tous les jours. Amen. 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 Donne-moi la force de persévérer. Amen. Dieu est Dieu. God Amen. Il a envoyé cette parole pour toi. He sent this word for you. Certainement, certainly, si tu repars vers lui, if you go back to him, tu parles au Seigneur and you speak avec to foi, the Lord with faith, sincérité de cœur, honnêteté du cœur. Dieu est obligé d'agir parce qu'il voit que tu crois cette parole. Because you could see that you believe his word. Frères et sœurs, je vais terminer. Brothers and sisters, I'm going to finish. Amen. Amen. Il est important. It is important again today. Que chacun examine sa vie. For each one of us to examine our lives. Un jour, one day, on ne se réunira plus comme ça. We shall not gather like this. Un jour, one day, quand l'enlèvement aura lieu, when the rapture will take place, quelqu'un dira, someone will si say, je savais, if I had known, ça sera trop tard. Amen. Too late. Amen. Amen. Ne prenons pas ça, des réunions comme ça, comme si c'était une habitude. Do not consider meetings like this like an habit. C'est pas une habitude. Frère. It's not a custom. Donc examinons-nous. Examine ourselves. Et que chacun regarde. At each one of us. Je suis look où avec le Seigneur. Where Amen. They are with the Lord. Il y a un an, nous étions là. It has been a year ago we were here. Et nous avons dit les mêmes choses. And then we have said the same thing. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir. If you go to YouTube, Amen. You will be able to see it. Amen. Amen. Si nous parlons encore if we are carry on speaking again today, ça veut dire que il y a encore le même besoin. Ça fait un an, le même besoin est là. Frère, le temps est arrivé. Tu ne sais pas si l'année prochaine on sera là encore. You do not know if next year we will find ourselves here again. Amen. Amen. Alors, le moment est arrivé que chacun prenne une décision. Meaning the time has come for each one of us to take a decision. Que Dieu bénisse. Brothers and sisters, may the Lord bless you. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. May the Lord be praised. Des paroles de vie. For a word of life. Pour nous, parce que chaque moment qui passe. For us, because each moment that's going past by. Nous approchons le plus du moment où le Seigneur doit venir. We are drawing near more to the moment that the Lord should come. Amen. Amen. Comme le frère Eric a su encore le souligner. As the brother Eric just underlined. Si il y a une année. If there has been a year. Nous avons reçu la même exhortation. We have received the same exhortation. Et aujourd'hui. And today. C'est comme si c'était encore nouveau. It is like it's a new thing again. Ça veut dire que l'exhortation de l'année passée. That means the exhortation that we received last year. N'a pas eu d'impact. Did not have any impact on us. Et c'est ça que Dieu appelle l'incrédulité. That is what God called the unbelief. Souvent, un jour le frère Frank a dit. But often one day brother Frank have said. Que quand les gens regardent le film de Jésus. That when people watch the film.
Ils se disent, mais ces gens étaient comment? Saying themselves, like, how was these people? Ils disent, mais c'est qu'on oublie. But what they have forgotten. Par nos actions. It is that by our action. Nous pouvons que si nous étions là. We can confirm it only if we were there. Non, nous prouvons que si nous étions là, we were proving that if we were there, on aurait pu être parmi ceux qui l'ont crucifié. Amen. We would be among those who crucified Jesus. Amen. Amen. L'apôtre Pierre, Apostle Peter, de son vivant, while he was alive, le Seigneur lui avait révélé déjà sa mort. The Lord has revealed his death to him. Il savait qu'il allait mourir brusquement. He knew that he was going to die suddenly. Il n'aura pas beaucoup de temps. He's not going to have more time. Amen. Amen. Il le dit dans 2 Pierre. He said it in 2 Peter. Juste rapidement, une petite lecture encore pour prier. Amen. Amen. Au verset 2 Pierre 1. 2 Peter, verse. D'abord, au verset 3, il commence par comme sa divine puissance nous a donné, vous connaissez, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, moyen de la connaissance. Et puis, il continue. Et puis, il dit au verset 5, verse 5, 2 Peter, cause de cela même, chapter 1, verse 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Amen. But also for this very reason, giving all diligence unto your faith, virtue, to virtue, knowledge, to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, and to godliness, bodily kindness, and to bodily kindness, love. Frère Branham a récupéré ces choses. Il a dessiné la pyramide. He drew the pyramid. Pour montrer la statue de l'homme. To show the statues of perfect man. Amen. Amen. Verset 8 dit. Verse 8 says. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Amen. For if these things are yours and abound. Amen. Amen. Et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. You will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Le verset 8 là est très important. Verse 8 is very important. Par rapport à ce que le frère Eric vient encore de soulever. According to what Brother Eric just rose up. En disant il y a une année. He said that it has been a year. La même exhortation. We have received the same exhortation. Et cette année nous avons encore besoin de la même exhortation. We still need the same exhortation. Parce que ces choses nous ont manqué. It is because these things are lacking us. Car si ces choses sont en vous, pas dans les autres, pas dans tout le monde, mais en toi personnellement. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne te laisseront point oisif ni stérile. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ça c'est l'Odyssée. For he who lacks these things is short-sighted. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Even to blindness and has forgotten that he was cleansed from his old sin. Ça veut dire son expérience de baptême. That means his experience of baptism. Sa repentance. Repentance. Son engagement de foi. Its engagement to faith. Amen. Amen. Tout ça, all this, il a mis en oubli. He has forgotten them. Le verset 10 dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Deux choses. Amen. Il y a l'appel the calling, et puis il y a l'élection. Amen. Dieu vous a appelé et puis il vous a élu. And he elected you. Amen. Amen.
Car en faisant cela, Jamais. Amen. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Donc, for if you do these things, you will never stumble. L'apôtre Paul dit, que l'appel doit être affirmé. The calling has to be confirmed. Amen. Amen. Et que la vocation, l'élection doit être affirmée aussi. And the election has to be confirmed as donc well. De plus en plus, tu dois montrer que tu as été élu. More and more, you have to show that you have been elected. C'est comme il disait au départ, être mis à part. What Prophet Aaron was saying at the beginning, being set apart. Verset 12 dit. Verse 12 said. 12. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume. Ça c'est 11 plutôt. C'est ainsi en effet qu'elle entrait dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et vous sera pleinement, pleinement accordé. For so our entrance will be supplied abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Ça veut dire que l'entrée là, that means that the entrance ça t'a été accordé, was granted to you. Mais ça peut être accordé avec plénitude. But amen. It will be accorded to you in abundance. Amen. Amen. C'est-à-dire être certain. That means to be certain. Parce que beaucoup d'entre nous, quand nous demandons, si le Seigneur vient tout de suite, tu es prêt? A lot among us, when they ask them, if the Lord, if they ask them. If the Lord has to come right now, are you ready? C'est par la grâce. But the answer will be provided by God's grace. Bon, parce que si vraiment Dieu devait regarder à nous là. Because if God had to look at on what we do. Ça, ça montre l'incertitude. Showing the incertitude. Dans laquelle nous vivons. In which we are living. Et nous entretenons. And we are entertaining ourselves. Amen. Amen. Verset 12 dit, 12. Voici pourquoi j'ai pris soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. La connaissance, ce n'est pas ce qui manque. The knowledge is not what you are lacking. Amen. Les gens connaissent. People amen. Mais l'apôtre Paul dit, Pierre dit, c'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, les mêmes choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, ça veut dire amen. Le message amen. Du temps. Amen. The message of time. For this reason, I will not be negligent amen. To remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Oui, la vérité présente, c'est le message de l'heure. The present truth amen. Is the message of the time. Amen. Of our hour. Vous connaissez le message de l'heure. You know the message vous of our vous êtes même affirmé dans ce message. You are even confirmed in this message. Parce que vous pouvez côté frère Frank, frère Branham. Because you can make references of brother Branham and brother Frank. Amen. Amen. Et dit au verset 13, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, ça veut dire dans la chair, amen. De vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you. Car je sais que je la quitterai, ça veut dire la chair, je la quitterai subitement. Amen. Ainsi que shortly, notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Amen. Knowing amen. That shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Donc il prêchait, et il savait déjà qu'il va partir subitement. That he will go suddenly. Il savait qu'il n'aura pas une longue maladie. He knew that he's not going to be suffering from a long illness. Il le savait. He knew that. Il ne connaissait pas le jour et l'heure. He did not know the time. Mais il savait qu'il sera surpris. But he knew that he will be surprised. Amen. Amen. Et il dit, mais j'aurai soin qu'avant mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. 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 Qu'après mon départ, je voulais dire, n'est-ce pas? Amen. Ah. Amen. I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. Maintenant, le verset 16. Verse 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Parce que vous allez trouver des prédications succulentes qui sont sur YouTube. Mais qui sont destinés à rendre les gens confortables dans leur nonchalance spirituelle. In their spiritual laziness. Amen. Amen. Et il dit ces fables qui sont habilement conçues
que nous vous avons fait, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. For we did not follow cunningly devised, foolish one, we made known to you the power and coming of the Lord, our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. Amen. Amen. Et vous pouvez voir qu'ici l'apôtre fait la différence. That here the apostles make a difference. Entre les discours persuasifs habilement conçus. Between the speeches which persuading people. Amen. Devise forever. Et la conscience. And the conscience. Amen. Amen. Et comme vous le savez, as you know that, le but du commandement, the aim of the command, c'est la charité is love, venant d'un cœur pur, coming from a pure heart, d'une foi sincère, amen, of a sincere faith, et d'une bonne conscience. And of a good conscience. C'est ça le but du commandement. This is amen. The aim of the commandment. Amen. Amen. La fois passée, last time, nous avons souligné, we underlined, remarqué combien de fois, notice how many times, c'est devenu rare pour les saints, it has become a rare event for the holy, d'avoir même le repas du Seigneur, to have Lord's supper. Pourquoi? Why? Quand le pasteur regarde à l'assemblée, when the pastor is looking at the assembly, il n'y a aucun moment où il peut dire que maintenant l'assemblée est prête. There are no moment that he could really testify that the assembly is ready. Amen. Amen. Alors, nous violons la volonté du Seigneur. We are preaching the will of God. Parce qu'il a donné ça comme un commandement. Amen. He has given it as a command. Faites ceci en mémoire de moi. Do this in my memory. Il a fait. Mm-hmm. Il leur a commandé de continuer cette pratique. And he commanded them to carry on practicing it. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Ça aide les frères this helps à vivre dans la préparation. Amen. To live in the preparation. Parce qu'avant de prendre le repas du Seigneur, but because before you can take Lord's supper, tu es obligé de t'examiner. Amen. You will feel obliged. Tu es obligé de demander pardon, de réparer. To apostolate through yourself to ask forgiveness. Imaginez-vous si on avait le repas du Seigneur chaque dimanche. Imagine if we have to have the Lord's supper every Sunday, for example. Mais les gens vivraient. But people amen. Should live being ready. Parce que chaque samedi tu dois because appeler les gens Saturday, réparer, amen. People to prepare yourself to amen. Be in peace with them. Mais si on le fait chaque deux ans, but chaque if we do that every 2 years or every 3 years. Amen. Amen. Mais même quand on va donner l'opportunité, even if we will give the on annonce ça à l'avance. We are announcing it in advance. Certaines personnes préfèrent même ne some pas venir ce jour. Oui. Not to come on that particular day. Pour éviter just to avoid de s'harmoniser avec la volonté to be du Seigneur. In harmony with the word of the word of God. Parce qu'il y a tel qui sera là. Because there are some who je ne suis pas prêt de réparer avec lui. And I'm not ready to repair with him or her. Alors je ne vais même pas manger. And I don't even want je ne viendrai pas. I shall not be there. I shall not come. Amen. Amen. Quel est ce péché? What is this quel est ce problème? What is that problem? Que Dieu ne peut pas réparer. God cannot repair. Notre Dieu peut tout réparer. Amen. Amen. Everything. Tout. Everything. Oui. En principe, quand il y a la Sainte Seine, tout le monde everybody devrait être à mes yeux des participants. Amen. Amen. To take part. Il n'y a aucun péché, there's no sin, aucune situation, no yes. situation que Dieu ne veut pas résoudre. That God cannot resolve. Si après l'annonce à l'avance, if after they announce that has been given to you in advance, que les gens n'arrivent toujours pas à réparer. And people still not be able to repair. Alors ils ne vivent pas dans l'attente du retour du Seigneur. That means that such person is not living in the expectation. C'est aussi simple que ça. This is as simple as this. Faut même pas attendre. You should not even wait for the rapture.
C'est aussi sérieux que ça. Amen. Mais souvent ces choses-là, quand on les dit, les gens disent que c'est la prédication de condamnation. Non. C'est un avertissement. Amen. Dans l'amour. Oui. Parce que nous tous. Because all of us. Personne n'est juste devant Dieu. Amen. Par grâce. Amen. 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 Mais la parole de Dieu doit avoir la suprématie. Amen. Sur nos opinions, Amen. Nos pensées, Amen. Les penchants de nos cœurs, Amen. Nos caractères, oui. Nos habitudes, Amen. Nos coutumes, Amen. Nos préférences, Amen. Et tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bless you. Amen. Amen. Nous allons prier. We are going to pray. Qu'est-ce que tu ressens? So, what are you qu'est-ce feeling? Que tu veux t'engager à faire différemment? Do you want to engage yourself to do different things? Prions bien. Merci Seigneur. Ma vie te servir, fidèle, venir faire. Je suis
Es-tu prêt pour le grand retour? Es-tu prêt? Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien sûr.